Dernier cours, on va parler un petit peu du modèle d'easing en dimension 2. Donc, ça doit être la cinquième partie, peut-être comme ça. Donc, euh... et mon but essentiellement, c'est de vous montrer ou de vous donner une, une bonne idée d'une preuve d'un résultat d'invariance conforme. Donc, en dimension 2, on s'est montré, euh, euh, on sait dire beaucoup de choses sur le modèle d'easing au point critique et en particulier, on s'est montré qu'il est invariant conforme. Il y a beaucoup de façons d'être invariante conforme, je vous avais mentionné dans le premier cours. Enfin, il y a beaucoup de façons d'énoncer ce théorème qui sont plus ou moins fortes, tout simplement parce que, en gros, toutes les quantités d'intérêt du modèle d'Ising au point critique en dimension 2 sont invariantes conformes. Donc, il faut juste en choisir une et dire quelque chose dessus. Donc, là, ce que je ferai aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de la plus simple des quantités. Euh, enfin, ce n'est pas une quantité très simple, mais c'est celle pour laquelle c'est le plus simple de montrer qu'elle est invariante conforme. En fait, on peut montrer beaucoup plus. Je vous avais en particulier énoncé dans le premier cours l'invariance conforme de corrélation entre les spins. Ça, c'est beaucoup plus dur à obtenir, donc on ne va pas montrer ça aujourd'hui. Alors, la première observation, peut-être, c'est. J'aimerais donner un peu de contexte au, au théorème avant de l'énoncer. La première chose, c'est quand je regarde le courant aléatoire. Donc si je, on, on, prenons n un courant aléatoire. Ah. Et si je ne regarde que l'ensemble oméga, oméga ça va être quoi Ça va être l'ensemble des arêtes E. Donc je vois ça comme un sous-ensemble des arêtes du graphe. L'ensemble des arêtes de mon graphe, tel que NE est euh, impair. D'accord Donc courant aléatoire, Donc ce que j'entends c'est que N, je le, je le prends avec la loi P, donc ensemble vide G bêta. Rappelez-vous, ça veut dire que je prends sur le graphe G, les courants sur le graphe G, sans source, et que la probabilité d'un courant est proportionnelle au poids W bêta de N qu'on avait énoncé, qu'on avait introduit dans les cours précédents. Si je prends n qui est comme ça, quelle va être la distribution de oméga En fait, c'est assez facile de voir que si je ne m'intéresse que à la parité de mon ensemble, ici pour obtenir n, pour obtenir les courants avec vraiment chaque valeur des arêtes, je devais écrire exponentielle de, j'écrivais exponentielle de beta sigma x sigma y comme la somme sur nxy égale 0 à l'infini de bêta sigma x sigma y puissance n de xy sur n de xy factoriel. J'utilisais cette expansion, dans la fonction à, dans la, la représentation, enfin dans, pour la fonction de partition. Si je m'intéresse que à avoir paire ou impaire, ici ça revient à, être, à écrire exponentielle de beta sigma x sigma y comme en fait le coche de bêta plus le sin de bêta fois sigma x sigma y. J'aurais aussi pu choisir cette expansion. Ça, c'est bien égal à ça, puisque sigma x sigma y vaut soit 1, soit moins 1. Et si je fais exactement la même expansion avec ça, je vais obtenir cette fois une décomposition, en une somme sur cette fois les. Si vous voulez, ce serait comme des courants qui pourraient avoir que valeur 0 ou 1. Donc je peux voir ça comme des sous-graphes ou comme une percolation. Donc les arêtes qui sont impaires, elles vont contribuer sinus hyperbolique de bêta. Et les arêtes qui sont paires, cosinus hyperbolique de bêta. Du coup, quand je fais cette expansion-là, je vais obtenir que la fonction de partition sur le graphe G à température bêta, la fonction de partition, et puis je vais même ajouter un ensemble A qui est un sous-ensemble des sommets de mon euh, graphe. Donc je vous rappelle ça, hein, c'est la somme euh, sur toutes les configurations sigma du produit de sigma x pour x appartenant à a fois exponentielle de moins bêta fois le hamiltonien. Ça c'était la définition. Si j'utilise cette décomposition au lieu de celle-là et que je fais exactement les mêmes étapes qu'avant, je vais obtenir que ça, en fait, c'est le coche, cosinus hyperbolique à la puissance, le nombre d'arêtes dans mon graphe. Donc, je vais factoriser par ça. Et je vais obtenir une somme sur des certains sous-graphes de tangente hyperbolique de bêta à la puissance, le nombre d'arêtes dans mon sous-graphe. Donc oméga étant un sous-ensemble de EG. Maintenant, exactement comme pour le courant aléatoire, il va y avoir une condition de, euh, sur les degrés pour oméga. Pour exactement parce qu'on va sommer sur les sigma et on va obtenir 0 ou 1 dépendant de... Euh, donc on va avoir un 2 puissance le nombre d'arêtes dans mon graphe qui va apparaître. C'était le même de puissance de nombre d'arêtes que, euh, que pour le, les courants aléatoires. Et ici, on va avoir, je vais le noter comme ça, les sources de oméga, c'est A. Et là, les sources, c'est exactement la même définition qu'avant. Je somme les oméga sur les arêtes adjacentes. Donc, en gros, c'est juste dire le degré de mon graphe oméga, quand je vois oméga euh, comme un graphe, dont les, arêtes, dont les sommets sont G et dont les arêtes sont, sont l'ensemble oméga. Quand je regarde comme un graphe comme ça, ça veut juste dire que les, euh, les sommets qui sont dans A ont un degré impair, et les sommets qui ne sont pas dans A ont un degré pair. Est-ce que ça vous étonne, ça Ou c'est vraiment, si vous voulez, la même chose, c'est la même transformation que pour euh, le courant aléatoire et c'est une représentation qu'on appelle, on appelle ça la représentation haute température. Donc cette représentation, elle a un nom. On appelle cette représentation haute température. Alors, pourquoi je, vous, pourquoi je vous mentionne ça Parce que c'est cette, cette représentation qu'on va regarder. On va regarder quelque chose qui est exprimé en fonction de cette représentation haute température dans la suite. C'est une représentation qui est connue depuis très, très longtemps, en fait, plus longtemps que la représentation en courant aléatoire, qui est en quelque sorte, on peut vraiment voir la représentation haute température comme une dégénérescence de la représentation haute température. Euh, de la représentation, euh, en courant aléatoire. Ce qu'on avait gagné pour la représentation en courant aléatoire, hein, c'est ce switching lemma qui n'existe pas du tout pour la représentation haute température. Donc c'était vraiment le gain euh, dans l'histoire. Très bien. L'avantage par contre de la représentation haute température, elle est, il est tout autre, hein, c'est qu'il est relié en dimension 2 à une autre représentation. Si je prends, imaginez que je prennent un, un modèle d'easing, considérons easing sur le sur le graphe G étoile. Alors G étoile, ça va être quoi? Enfin V de G étoile, V de G étoile. Bah, chaque arête de mon graphe en dimension 2, je vais, je vais me concentrer, concentrons-nous sur, sur des sous-graphes de, de Z2, mais on pourrait faire ça pour n'importe quel graphe planaire. Chaque arête de mon graphe est reliée à une arête du graphe dual du réseau dual. Donc prenons le dual du graphe Z2 qui va être juste un translaté du graphe Z2 par un demi, -un demi. Donc ça revient à mettre un sommet au milieu de chaque face du graphe Z2 et des arêtes entre plus proches voisins. Et là on voit que pour toute arête E de Z2, il existe une unique arête que je vais appeler E étoile de Z2 étoile, l'intersectant en son milieu. Donc, ça c'est évident, hein pour chaque arête, il y a une unique arête associée. Et le graphe dual G étoile est défini par la chose suivante. E de G étoile, c'est l'ensemble des E étoiles pour E, une arête du graphe G. Donc je prends les arêtes duales de chaque arête du graphe G. Et V de G étoile, c'est les, euh, les sommets incidents à une arête de E étoile. Donc c'est les sommets. incident à une arête de EG étoile. Voilà. Donc ça c'est la définition du graphe dual. Maintenant imaginons que je considère un modèle d'Ising sur ce graphe dual. Et dessinons un sous-graphe oméga. Donc pour toute configuration sigma dans plus ou moins 1 puissance e de g étoile, euh, v de g étoile, excusez-moi. Je peux associer une configuration de g de la façon suivante. Je vais définir ω de E égale 1 si euh, sigma x est différent de sigma y ou euh, l'arrête E, je l'appelle euh, X, Y. Donc je vais dessiner toutes les arêtes toutes les arêtes du graphe primal qui séparent deux spins de valeurs différentes, ce qu'on appelle dessiner les domain walls. Très bien. Quand donc la probabilité d'une configuration sigma, elle est proportionnelle à l'exponentielle de, enfin de bêta sigma x, sigma y. Du coup, quand je regarde la probabilité d'une arête oméga, d'une configuration oméga, combien d'arêtes je vais avoir, enfin quel va être le poids de ça, ça va être la probabilité de sigma puisque c'est une bijection, et la probabilité de sigma, par définition, elle est proportionnelle à exponentielle de moins, enfin de bêta, de la, de la somme de bêta sigma x, si, je vais l'écrire comme ça, c'est le produit sur les arêtes x y de exponentielle de bêta sigma x sigma y. Du coup, ça c'est exponentielle de bêta fois le nombre d'arêtes, fois euh, cette chose-là. Bêta facteur de 1 moins 2 sigma, enfin, 2 sigma x sigma y moins 1. C'est la même chose. Là, la chose qui devient intéressante, c'est que. Euh, non, c'est peut-être 1 moins. Excusez-moi. Donc, J'avais sigma y. Bon, Gardons-le comme ça. Pourquoi pas Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est que vous voyez, en termes de oméga, le nombre d'arêtes telles que sigma x et différent sigma y, c'est exactement le nombre d'arêtes de oméga. Donc, en fait, cette chose-là va être égale à l'exponentielle de bêta fois. E de g étoile, fois exponentielle de moins 2 bêta, fois le nombre d'arêtes dans oméga. C'est exactement la même chose. Donc la probabilité de oméga, je peux l'exprimer exclusivement en fonction du nombre d'arêtes de oméga. Et j'obtiens une loi du coup sur les configurations oméga, qui est très simple. La probabilité d'une configuration, elle est en fait proportionnelle. Donc, ça, c'est une constante qui est tout le temps vraie, donc, euh, qui est toujours la même, excusez-moi, donc je peux l'enlever. Donc, la probabilité d'oméga va être proportionnelle à l'exponentielle de moins de bêta fois le nombre d'arêtes. Donc, on a quelque chose qui ressemble énormément au terme qu'on a ici, sauf que c'est avec l'exponentielle de moins de bêta à la place de tangente hyperbolique de bêta. Voilà. Alors, peut-être pour ne pas faire de, 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 de confusion, je vais considérer le modèle d'Ising sur G étoile à euh, température inverse bêta étoile. Donc du coup ici on a des bêta étoiles et on a un bêta étoile ici voilà donc ça c'est la représentation basse température donc en résumé si on si on regarde si on fait une expansion comme pour le courant aléatoire mais en regardant juste paire-impaire, on obtient ce qu'on appelle la représentation haute température. Donc on a exprimé les, les fonctions de partition et les corrélations en particulier en termes de, de graphes, en particulier paires si on ne prend pas de source. Et la poids est proportionnelle à la tangente hyperbolique de bêta fois le nombre d'arêtes. Si on prend un modèle sur le dual et qu'on dessine les bords des clusters entre plus et moins, en quelque sorte, on obtient une représentation de nouveau en sous-graphe paire de euh, mon graphe originel. Cette fois, le poids c'est de moins 2 bêta étoile tangente hyperbolique de euh, euh, moins 2 bêta étoile fois le nombre d'arêtes. Du coup, ici, juste une parenthèse, hein, donc remarque, qui a été observée en premier par Kramer et Vanier. c'est que si je prends tangente hyperbolique de bêta égale exponentielle de moins 2 bêta étoile, j'obtiens le même modèle. C'est-à-dire que la représentation haute température d'un modèle d'Ising à température bêta sera la même chose que la représentation basse température d'un modèle d'Ising sur le dual à température bêta étoile, si j'ai cette relation. Et en particulier, ça avait mené euh, Kramers et Vanier à prédire que la température critique du modèle Dising en 2D devait satisfaire que en fait, bêta est égal à bêta étoile. Ça doit être le point pour lequel, quand je fais cette, cette dualité, cette euh, formule de dualité, j'obtiens le même bêta dans le dual. Donc si on égalise, si on prend bêta égale bêta étoile, on obtient. Que bêta est égal à 1 demi de logarithme de 1 plus racine de 2 et on, en tant que physicien enfin en physique on s'attend on s'attend à ce que ce soit bêta c donc la raison pour laquelle on s'attend à ce que ce soit bêta c juste en, en une phrase sans, sans trop expliquer c'est que là, donc du coup, si on prend A égale l'ensemble vide, j'ai exprimé la fonction de partition en fonction de quelque chose de très régulier, fois, enfin de quelque chose de très simple à calculer, fois une somme sur les graphes pairs. Du coup, si je, si je regarde là-bas et que j'exprime la fonction de partition de cette loi sur les omégas, je vais aussi avoir exprimé exactement la fonction de partition en termes des graphes pairs. Donc dans les deux cas... En fait, si j'ai tangente de hyperbolique de bêta égale à de moins 2 bêta étoile, ici, la fonction de partition, je vais pouvoir la relier à la fonction de partition là-bas. De façon très simple, il va y avoir euh, quelque chose comme de, ce type de terme qui va, se, qui va se balader devant. Mais du coup, si je prends la, la limite, enfin si je, si je fais 1 sur le volume fois le log de cette quantité et je laisse g tendre vers l'infini, Ici, je vais obtenir ce qu'on appelle la, la free energy, donc l'énergie libre du modèle d'Ising à température bêta. Et je vais l'avoir exprimée exactement en termes, ici je vais faire la même chose, en termes de l'énergie libre du modèle d'Ising à température bêta étoile. Mais physiquement, on s'attend à ce qu'il y ait une unique singularité pour le, la, on s'attend à ce que cette énergie libre soit analytique à part au point critique. Et du coup, si le point critique n'est pas égal au, euh, au... Enfin, si bêta C n'est pas égal à bêta C étoile et qu'il y a une singularité à bêta C, il y en aura une forcément aussi à beta C étoile. Donc il y aura deux valeurs pour lesquelles on a une singularité, ce qui est absurde. Voilà. Donc c'est ça l'idée de base de la, de, de la dualité de Kramer-Vanier pour déduire bêta C. Le petit problème étant qu'il faut arriver à montrer rigoureusement qu'effectivement il y a une seule singularité possible. Euh, au point en dimension 2, et ça, ça demande un petit peu de travail. Je ne vais pas le faire parce que mon but, c'est plutôt d'essayer de vous expliquer un peu l'invariance qu'on fait. Voilà. J'ai raté quelque chose. Tu oui. disais paire ici, je crois qu'ils étaient pères au départ. Une... Alors, le, euh, quand on, si vous voulez, les courants, l'ensemble le, des arêtes pour lesquelles le courant est impair, hein, forment un graphe pair dans le sens un graphe dont le degré est toujours pair euh, voilà, c'est ça le, la, le, la chose. C'est vrai que la paire-impaire, ça, ça pas un peu. Alors, maintenant, essayons d'énoncer euh, le théorème. Donc, ça, c'était peut-être petite a. C'était la représentation haute température et basse température. Maintenant, énonçons le, euh, le théorème d'invalence conforme que je vais montrer, donc euh, énoncer du théorème d'invariance conforme. Et là, c'est important que je vous donne un tout petit peu de contexte. Donc, ce qu'on va faire, on va se fixer dans tout la, le reste du cours, on va se fixer un domaine oméga avec deux points A et B sur le bord. Donc quand j'appelle un domaine, je veux dire vraiment, je prends un ouvert, pensez Jordan, vraiment quelque chose de très régulier, avec deux points A et B sur le bord, et mon, do, mon ouvert, il est simplement connexe. Donc il n'y a pas de trou dedans. Et ce que je vais regarder, je vais regarder oméga delta, A delta, B delta, ça va être en quelque sorte une version discrète de ce domaine simplement connexe. Donc je vais dessiner ça comme ça. Je vais imaginer que j'ai un graphe. Je vais me fixer delta positif, mais imaginez positif mais vraiment très petit, d'accord Je regarde delta z2 et en gros je vais définir ω delta comme étant delta z2 intersecté avec oméga, d'accord Donc c'est le sous graphe. Si vous voulez, un peu induit par le domaine oméga. Alors, le seul petit problème, c'est que si vous avez un domaine oméga qui est très irrégulier, imaginez que vous ayez des, des choses qui font comme ça, par exemple, il se pourrait que le domaine oméga-delta ne soit pas connecté, par exemple, ou que le graphe oméga-delta ne soit pas connecté. Il se pourrait aussi qu'il se retrouve à avoir des petits trous ou des choses comme ça. Ça, on veut éviter. Donc, là, les. les les trémas, c plus, c enfin les, les, Je veux juste dire que c'est en gros ça. En fait, on veut juste prendre un, un oméga delta, on veut prendre un sous-graphe de delta z2 qui est connecté, de complémentaires connectés. On veut même quelques petites choses en plus, mais ignorons ça. Et qui, dont si je prends l'union des faces, j'obtiens un, de euh, un ouvert de R2 qui va converger quand delta tend vers 0 vers l'ouvert oméga. En fait, on veut une convergence dans ce qu'on appelle le, dans le sens de caratéodori, peu importe. Mais pensez vraiment juste quelque chose, un oméga-delta, c'est un gentil graphe de Z2 qui ressemble de delta z2, qui ressemble de plus en plus à oméga, d'accord Donc ne posons-nous pas trop de questions sur exactement. Et a delta et b delta ça va être quoi A delta ça va être un point du bord. Donc ici on va prendre a delta qui est sur le bord de oméga delta et qui est proche de a. On va faire la même chose pour b. B delta sur le bord de oméga delta proche de b. Bon et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la représentation haute température du modèle. Donc je vais regarder un sous-graphe paire de ce graphe. Donc, on considère la représentation aux haute température. Haute température. Et on va la regarder, on veut montrer la valence conforme du modélising au point critique, donc on va regarder A bêta C. Voilà. Et juste pour, euh, pour éviter d'écrire tangente hyperbolique de bêta C à chaque fois, on va écrire XC. Voilà. D'accord Mais ça c'est juste une notation. Donc je regarde des sous-graphes pairs. De delta et c'est des sous-graphes aléatoires dont le poids c'est xc à la puissance le nombre d'arêtes. Enfin, est proportionnel à xc puissance du nombre d'arêtes. Voilà. Donc, ça c'est intéressant, parce que vous voyez, si je comprends la distribution de cette représentation haute température, puisque je suis au point critique, bêta c, cette représentation haute température c'est aussi la représentation basse température d'un modèle d'easing sur le graphe dual à température exponentielle de moins 2 beta c étoile. Mais puisque bêta C est égal à beta C étoile, c'est exactement comme la distribution des euh, bords entre les composantes connexes de plus et de moins dans un modèle d'easing au point critique sur le dual de oméga delta. Donc si j'arrive à décrire Intelligemment ces interfaces, enfin ces, ces, ces courbes, en fait je suis en train de décrire les interfaces entre plus et moins dans le modèle d'Ising. D'accord Donc là ici, attends, euh, kramer vanier plus bêta égale bêta c, ça nous dit que en fait ça c'est la même chose que la représentation basse température à bêta c pour un modèle d'Ising sur. sur oméga delta étoile. D'accord Donc finalement, comprendre ça, c'est comprendre la chose peut-être la plus naturelle au moins d'un point de vue probabiliste, qui est ce qu'on aimerait comprendre, c'est je prends directement un modèle d'Ising sur mon graphe, je dessine les interfaces, je prends mon graphe de plus en, sur un réseau de plus en plus fin, exactement comme pour la percolation par exemple. Je prends donc ce qu'on appelle la limite d'échelle, et j'essaye de décrire la géométrie de ces, de, de ces interfaces. C'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire. Mais on le fait à partir de la... On, on va plutôt voir ça comme une représentation haute température. Voilà, donc ça c'est le, le contexte. Maintenant, quelle est la quantité qu'on va regarder? Pour comprendre ça, en fait, la, une, bonne quantité à, 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 une bonne chose à essayer de comprendre, c'est de comprendre quand je prends un point sur le bord, en gros à A delta, et un point à l'intérieur. Ici, si, je vais peut-être zoomer. Zoomons. Donc là, on a notre réseau qui est comme ça. Je vais prendre un point au milieu d'une arête. Je vais l'appeler Z delta. Je vais prendre ici le A delta, en fait. Je vais le prendre aussi au milieu d'une arête. Donc on est sur le bord. Hein. Donc le réseau est comme ça. Il y a des milieux d'arêtes comme ça. Je vais prendre A delta, en fait, qui est plutôt un milieu d'arrête. Et ce que je vais demander, c'est que je vais regarder des configurations comme ça. Je vais regarder des configurations comme ça avec en plus une interface qui part de A delta. Elle peut intersecter comme ça d'autres choses. Hein, et qui va arriver en Z delta. Donc je vais regarder quelque chose d'un peu plus général. On va prendre donc définition. On va définir E de A delta Z delta comme étant l'ensemble des sous-graphes qui sont en gros un sous-graphe pair plus une interface. Et une façon de l'écrire proprement, c'est de dire la chose suivante. Définissez un graphe un peu plus gros que Omega delta. Définissez un graphe. Euh, donc on va prendre euh, les sous-graphes du graphe. Je vais l'appeler oméga barre delta. Donc oméga barre delta, c'est le graphe où en fait chaque arête de votre graphe originel, vous le transformez en deux arêtes avec un sommet au centre. D'accord Donc c'est le graphe. Si j'avais oméga delta qui était comme ça, vous rajoutez des et vous rajoutez des sommets au milieu de chaque arête. Et maintenant, les, juste les arêtes, vous les coupez en deux. D'accord Donc c'est un graphe plus gros comme ça. Du coup, le, le graphe E de A delta Z delta, c'est quoi C'est juste un sous-graphe, c'est l'ensemble des sous-graphes de omega bar delta qui sont, dont le degré des arêtes est pair à part à A delta et Z delta. Ou c'est impair. Donc ici, on va prendre l'ensemble des sous-graphes du graphe omega delta dont le degré est paire. Hein partout à part en euh, a delta et z delta Vous comprenez s'il n'est pas pair en a delta et z delta forcément il vaut 1 et bon. s'il est bien pair ici ça revient même que dire qu'il était pair dans le graphe originel et s'il est pair dans les autres arêtes centrales ça veut juste dire qu'en fait on traverse sans s'arrêter donc ça ça va être mon ensemble donc c'est juste les, les, euh, les sous-graphes pairs plus une interface en quelque sorte. Voilà. Donc maintenant, on aimerait comprendre un peu la géométrie de ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une observable, une fonction de... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Hein. On va définir une fonction euh, de, euh, de ces sous-graphes. Alors, je vais peut-être juste rajouter une chose, donc ça c'est la définition, je vais faire une autre, une autre définition. Pour une configuration oméga qui appartient à, cette, à cet ensemble, je vais définir définissons gamma, qui est gamma de oméga, comme étant L'interface allant de A delta à Z delta, le problème c'est qu'elle n'est pas forcément unique cette interface. Donc on va prendre la plus à, la plus à droite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive en une arête, si on a le choix entre aller tout droit ou pas, on tourne à droite. Enfin si on a le choix entre aller à droite ou à gauche, on tourne à droite. D'accord Donc comme étant euh, l'interface entre A delta et Z de ta tournant systématiquement à droite lorsqu'il y a une lorsqu'il y a plusieurs possibilités. Alors, vous me direz, c'est peut-être. Oui Est-ce que c'est symétrique par rapport à data et data comme choix Oui, ce pas symétrique, c'est complètement arbitraire comme choix. Donc, ça pourrait sembler très bizarre. En fait, si vous prenez celle la, la plus à gauche, ça va vous donner quelque chose de différent au niveau discret. Mais en fait, quand vous prenez une limite d'échelle, les deux interfaces vont en fait se coller. C'est-à-dire qu'elles sont pas très différentes. C'est vrai qu'il y a. C'est vrai qu'au niveau discret, il y, a, il y a deux interfaces différentes, si la plus à gauche ou la plus à droite, mais dans la limite d'échelle, elles convergent vers la même chose. Donc en fait, ce choix, en quelque sorte, il n'est pas important. Par exemple, vous pourriez me dire, à chaque sommet, vous pourriez choisir systématiquement, donc à ce sommet-là, s'il y a une, une possibilité, je vais à gauche, sinon je vais à droite, ça marcherait aussi en fait. On décrirait juste une interface qui est un peu entre les deux extrêmes, mais elles, se, elles deviennent de toute façon la même après. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de cette technicalité là, en fait. Voilà. Donc ça, c'est et donc ce gamma, euh, gamma est appelé. Oh, quoi que j'aurais pas besoin du nom, donc je vais de... peut-être pas vous rajouter de terminologie. Très bien. Donc maintenant la grande définition. Donc euh, c'est ce qu'on appelle l'observable ferme fermionique. Donc je vais définir F de Z delta. Donc mon but c'est de le voir comme une fonction de Z delta, mais ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre de oméga delta, de a delta, de b delta, de z delta et de x. Donc de xc. A priori on pourrait le définir pour une autre valeur. Wow. Et cette chose-là, ça va être quoi Ça va être la somme sur les oméga qui appartiennent à e de a delta, z delta de xc puissance le nombre d'arêtes sur la même somme mais pour les configurations allant de A delta à B delta cette fois donc de nouveau là c'est la même chose B delta en fait j'aurais dû être un peu plus précis j'aurais dû mettre ça là dessus donc B delta ça va de nouveau être le milieu d'une arête sur le bord donc ça, c'est quasiment juste, juste le rapport entre les deux, mais je vais rajouter un terme bizarre, je vais rajouter e puissance moins i sur 2 fois ce qu'on appelle le winding de la courbe entre a delta et z delta. Donc, je vais vous dire dans deux secondes ce que c'est. Donc moins i sur 2 fois le winding de a delta b delta. Donc qu'est-ce que c'est que le winding Le winding, c'est tout simplement, cette courbe, elle va faire des virages à gauche, des virages à droite. Et parfois, elle va aller tout droit aussi, mais je vais juste faire, ça va être pi sur 2 fois le nombre de tours vers la gauche moins le nombre de tours vers la droite. Donc le winding de gamma entre A delta et Z delta, c'est pi sur 2 fois le nombre de tours à gauche moins le nombre de tours à droite. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la, va, la rotation totale en radiant de votre courbe. Donc, si vous prenez une courbe qui va comme ça, et qui finit ici, je vais avoir ici, je vais avoir fait un tour à gauche, ici, un tour à droite, donc le winding, ça va être zéro. Si je fais à l'inverse quelque chose qui va... Avoir chose, qui va faire quelque chose comme ça là je vais obtenir un winding de 2 pi etc d'accord donc vous voyez c'est quasiment comme ça on pourrait presque imaginer que c'est un rapport de donc c'est un rapport de deux, de deux, euh, de deux sommes qui ont la même forme alors je viens d'effacer mais la même forme que les sommes qu'on obtient. Non, je ne pas effacé. Que ce type de somme-là. Bon, il y a juste un petit changement à la fin. On finit à un milieu d'arrête au lieu de finir à un sommet. Mais ça ressemble un peu à ce genre de somme. Donc on pourrait presque croire que sans l'exponentiel le de moins i sur 2 winding, qu'on ait en fait un rapport de deux fonctions de, de, deux, de, deux, de deux, euh, corrélations entre spins. Mais je rajoute ce terme, euh, exponentiel moins i sur 2, ce terme de winding. Qui fait qu'on perd complètement cette interprétation en termes de fonction euh, de corrélation de spin. En fait, il y a une interprétation en termes de ce qu'on appelle des opérateurs d'ordre-désordre, mais on n'a pas énormément de temps, donc je vais plutôt essayer de vous expliquer un petit peu la preuve plutôt qu'aller dans cette direction. Alors, quel est le théorème Le théorème est le suivant. C'est un théorème qui est dû à Dimitri Tchalkak et à Smirnov. Et il dit la chose suivante. Il dit si je me fixe oméga AB et je considère F delta je vais peut-être mettre f delta. f delta, qui est la fonction associée à oméga AB, que j'ai défini là-bas. Alors, oui, et ce qu'on va faire, c'est que cette fonction elle est définie. Je vais, là, je vais, je vais avoir un théorème de convergence. Donc là, je vais mettre mon théorème de convergence, il va être comme fonction de R2, donc du coup ici je vais juste, et j'étends, je vais étendre f oméga et on étend. Donc étendu à oméga. Alors il y a plein de façons d'étendre F delta à oméga. Par exemple, en tout cas sur les faces de oméga-delta, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement... Donc, f delta elle est définie sur les milieux d'arêtes, vous êtes d'accord ma définition là-bas donc ce que je peux faire c'est que je peux déjà l'étendre linéairement sur les arêtes comme ça, ces espèces d'arêtes en, en diagonale ce qu'on appelle les arêtes du graphe médial après je peux aussi l'étendre linéairement comme ça pourquoi pas puis là maintenant que j'ai un triangle si j'ai les valeurs partout je peux étendre de façon convexe n'importe où euh, au milieu, je fais ça de ce côté et de ce côté et comme ça j'ai fait ça partout je peux aussi faire ça, bien sûr, là, si j'ai ces arrêtes là Je peux faire la même chose ici aussi. C'est une façon d'étendre continuellement. En fait, la fonction étant très régulière, à peu près n'importe quelle façon d'étendre continuellement la fonction ne sera pas gênante. Mais ce que je dis juste, c'est qu'on étend la fonction à ωΔ delta d'une façon à peu près euh, crédible. Et maintenant, le résultat, ça va être la chose suivante. Ça va être que la limite, quand delta tend vers 0, de f de delta, ça va être la racine de psi prime ou psi c'est quoi C'est l'unique application conforme de oméga ab dans je vais prendre le demi-plan supérieur, donc c'est R fois R plus étoile, envoyant A sur l'infini et B sur 0, tel que Psi' de B égale 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça J'ai mon domaine omega AB. Je vais l'envoyer par l'application Psi conforme. Donc ça veut dire holomorphe. Et injective. Je vais l'envoyer exactement sur le demi-plan supérieur. B va être envoyé sur 0. A va être envoyé sur plus l'infini. Si je fais ça, vous remarquerez qu'il y a une infinité d'applications conformes qui vérifient ça. Tout simplement parce que si vous prenez une application conforme et vous la multipliez par un réel positif, vous allez encore envoyer là-dessus. La même chose, B sera bien envoyé sur 0, A sera bien envoyé sur plus infini. Donc pour fixer ce dernier degré de liberté, je vais forcer la dérivée. Alors c'est une dérivée sur le bord, ça fait peut-être un petit peu peur du fait pourquoi il y aurait une dérivée sur le bord, mais il n'y a aucun problème parce que c'est un bord qui est plat en fait, donc on peut utiliser un argument de, de symétrie. Pour dire qu'il y a une dérivée ici, et donc je vais fixer la dérivée comme étant 1. Voilà, donc le théorème dit ça, et ici c'est convergence uniforme. Surtout compact. Surtout compact de oméga. Voilà. Donc j'ai une fonction, elle a été définie sur le sous-graphe, je l'ai étendue sur en gros oméga, et elle converge uniformément sur tout compact vers une application racine de φ'. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un théorème d'invariance conforme. Et la raison pour laquelle c'est un théorème d'invariance conforme, c'est que si je ne suis pas sur oméga, et que je suis sur un, sur un autre domaine, par exemple la préimage d'oméga par une application Φ, alors la convergence de f de delta, ça va arriver, ça, ce sera vers racine de. Ben, L'application qui enverra ce nouveau domaine sur ça, ce sera psi rond -phi. Donc j'aurai racine de psi rond -phi prime. Donc j'aurai bien exprimé si j'ai ce domaine qui est φ moins 1 de oméga. Si je prends un point z ici, et que je regarde f delta de z, il va bien être exprimé naturellement, il va avoir une limite qui est exprimée en termes de... Euh, en termes... oui, je ne devrais pas enlever ça, mais... elle va être exprimée... Euh, elle, je vais pouvoir l'exprimer en fonction, excusez-moi, de la limite de f delta dans ce domaine en, euh, psi de, en phi de z. Et l'expression, ça veut dire qu'il va y avoir un racine de, de phi prime de z qui se balade dans l'air, mais sinon ce sera la même expression. Du coup, là, c'est covariance. Oui. Ok, donc j'aimerais vous donner quelques petits euh, détails. Sur la preuve de ce théorème. Je ne vais pas pouvoir vous la donner complètement, malheureusement. Mais je vais essayer quand même de vous dire un tout petit peu comment ça se passe. Donc l'idée, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi f de delta, en quelque sorte, on voit déjà au niveau discret que c'est une fonction un peu holomorphe. C'est vraiment la discrétisation d'une fonction holomorphe. Donc par exemple, comment j'interprète... Psi. Si en fait, si on regarde, la partie imaginaire de Psi, c'est euh, tout simplement la solution. Enfin, c'est. Euh, Comment dire Comment je pourrais exprimer ça la, Ok, on va faire ça différemment. Si j'ai une fonction h qui est harmonique sur un domaine oméga, alors sous des, sous des conditions très faibles, je vais avoir que h de x, je peux toujours l'exprimer comme l'intégrale. Donc harmonique sur un domaine et peut-être continue sur... Le bord du domaine. Alors h de x, je vais pouvoir l'écrire comme l'intégrale de h de y fois. Euh, non, excusez-moi, je vais pouvoir l'écrire comme l'intégrale contre une certaine mesure que je vais appeler d nu de y, l'intégrale d'une quantité qu'on appelle le noyau de Poisson. Donc toute Toutes les fonctions harmoniques peuvent être exprimées en termes d'un noyau, comme ça, qui est défini. Donc ce noyau de poisson, c'est une fonction, donc P oméga. c'est une fonction qui va de oméga croix le bord de notre domaine dans R. Et ce noyau de poisson, il a une expression très 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 euh, simple dans le cas de oméga égale h. On a quoi Si oméga égale h, on a que p oméga de x Ça va juste être x sur x carré plus y carré. Euh, c'est oui, voilà. X sur x carré plus. Donc si vous voulez, c'est la partie imaginaire. Je vais forcément me planter, mais euh, de... C'est pour ça que j'aurais peut-être dû mettre on va mettre yx. Et là, je vais... Excusez-moi, hein. désolé, là, ça va pas du tout. C'est n'importe quoi. Donc c'est 0y, euh, et donc 0x, et donc ça donne x. Ça donne x2 sur x1 carré plus x2 carré. Donc l'important c'est que c'est la partie imaginaire de moins 1 sur x. Voilà. Du coup, en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le cas de oméga égale h, ça c'est exactement la partie imaginaire de psi. Parce que la fonction qui envoie le domaine h sur le domaine h et qui envoie 0 sur l'infini, l'infini sur 0 et qui a une dérivée 1 en 0, c'est exactement moins 1 sur z. Donc c'est la partie imaginaire de, 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 de psi. Maintenant, cette, cette quantité, elle est invariante conforme. Si je suis dans un autre domaine oméga, si je veux de, deviner quel est le, le, poisson, le noyau de poisson, j'envoie le domaine oméga sur h et je regarde quel est le noyau de poisson sur H. Du coup, cette propriété qui est vraie pour oméga, en fait, elle est vraie pour n'importe quel domaine. Quel que soit le domaine oméga, donc par invariance conforme, euh, ce résultat s'étend à tout domaine, en fait. Donc quel que soit le domaine, psi, enfin, la partie imaginaire de Psi a l'interprétation que c'est le noyau de poisson dans ce domaine. Donc mon but, en fait, ça va être d'écrire. Donc ça va être très dur de travailler directement avec f delta, mais en quelque sorte, la primitive du carré de f delta devrait converger vers Psi. Donc la partie imaginaire de la primitive du carré de f delta... Devrait converger vers le noyau de poisson. Et ça, le noyau de poisson, c'est que je est beaucoup plus classique à étudier. Et donc, du coup, ça, il y a peut-être une chance d'arriver à montrer cette convergence. Donc, mon but, ça ne va pas être vraiment. Vous voyez, je ne vais pas essayer de montrer directement que f de delta converge. Je vais essayer de montrer qu'une certaine primitive, mais bon, au niveau discret, ce n'est pas clair ce qu'on entend par là, qu'une certaine primitive du carré, enfin, la partie imaginaire de la primitive du carré de f delta converge. Donc le résultat, en fait, va être le, le, la proposition principale, le, le, le cœur du, de la preuve. Ça va être de montrer qu'il existe une primitive et que cette primitive a suffisamment de propriétés pour pouvoir montrer qu'elle converge. Donc la primitive, on va, donc comment on pourrait définir une primitive déjà Donc au niveau discret, imaginons que j'ai mon graphe Z delta. Euh, J'ai mon graphe oméga delta. Je vous rappelle que la fonction elle est définie en fait sur les arêtes, si vous voulez, de votre graphe. Donc je vais définir ma primitive sur les sommets et les faces de mon graphe. Alors ça c'est quelque chose qui est donc c'est quelque chose qui est assez classique. Si vous avez une fonction sur un graphe G, donc sur les sommets d'un graphe G et que vous voulez définir une primitive ou le gradient de cette fonction, soit si vous voulez la dériver ou si vous voulez l'intégrer, au niveau discret, quand on fait ça, on va définir une fonction sur le graphe dual. En fait. Donc, si f est comme ça, alors le gradient de f et la primitive de f, elles sont définies, ce sont des fonctions qui vont partir du dual et qui vont arriver dans R. C'est quelque chose comme ça, en quelque sorte, une sorte de dualité. Quand on dérive, on passe au dual. Et du coup, bah, forcément, quand on intègre, on a envie aussi de passer au dual. Donc ici, notre graphe, si, si je prends les arêtes comme étant les sommets de mon graphe, d'un certain graphe, ça veut dire que je suis sommet... Je suis, je suis en fait en train de travailler sur te, cette espèce de... Z2. Euh, qui a subi une rotation, donc π sur 2 et une, un rescaling donc, de, de facteur 1 sur racine de 2. Et du coup, effectivement, le dual de ce graphe, c'est bien le graphe donné par les sommets de mon graphe initial et les faces de mon graphe initial. Donc je vais définir la fonction sur l'intégrale sur ce graphe-là. Et qu'est-ce que j'aimerais avoir bah, quelle est la propriété principale d'une un, primitive J'aimerais avoir que h2, donc disons x1, x2, h de x1 moins h de x2, bah, j'aimerais que ce soit quoi J'aimerais que ce soit la valeur ici fois x1 moins x2. Alors moi j'essaye de définir le carré de l'intégrale, donc j'aimerais que cette chose-là, ce soit égale, et la partie imaginaire, donc j'aimerais que ce soit à peu près égale à la partie imaginaire du carré en x1 plus x2 sur 2 fois x1 moins x2. D'accord Si j'ai une fonction qui vérifie ça, naturellement, en fait, c'est une primitive discrète de f carré. Enfin, c'est la partie imaginaire d'une primitive discrète de f carré, puisque si je prends maintenant x1 et x2 qui sont vraiment loin l'un de l'autre, et que je prends effectivement une euh, un chemin qui va de l'un à l'autre, je vais bien sommer les incréments le long de ce chemin. Je vais bien sommer f. D'accord Donc théorème, enfin propriété, il existe une fonction h delta qui est définie sur oméga delta union oméga delta étoile, donc qui est définie sur les sommets de oméga delta et sur ceux de oméga étoile de, qui va dans R, tel que tel qu'on a étoile, tel qu'on a étoile pour tout x, y, euh, x1, x2 appartenant à oméga delta et idem y1, y2 appartenant à oméga delta étoile, parce que là, cette relation que j'avais pour, pour les sommets du graphe originel, là et là, je pourrais le demander aussi pour ces, ces gens-là. Donc ça, en quelque sorte, je vais considérer ça comme ma primitive. Et maintenant, cette primitive, j'aimerais qu'elle ait... Euh, alors là, elle est définie qu'à une constante près, vous remarquerez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un sommet sur le bord et on va lui demander que la primitive vaille 0 à cet endroit-là. Donc on va aussi supposer euh, qui, de plus est, qui vérifie en plus euh, h delta, de, X delta enfin de y delta égale 0 ou y delta, y delta c'est juste un sommet, euh, une face sur le bord. Donc je vous rappelle que mon graphe il finit comme ça sur le bord. Hein. J'ai mon graphe oméga delta et j'ai les faces qui sont sur le bord. Donc ici, je vais aussi définir mon observable, h delta, ma fonction, et je vais juste dire ça vaut 0. Je vais fixer un gars sur le bord, y delta, et je vais dire là ici ça vaut 0. Voilà. Comme ça, ça fixe euh, la constante additive euh, qui était en mon dernier degré de liberté là-dedans. Donc ça, ça va être ma primitive. De plus, je vais lui demander qu'elle vérifie certaines conditions. De plus, il va y avoir trois conditions. Donc la condition P1, enfin, elle, elle, elle va avoir trois propriétés plutôt. En fait, H delta égale 0 pour toute... H delta de Y delta égale 0 pour tout Y delta sur le bord, en fait. Donc le choix en particulier de cet y delta n'avait aucune importance parce qu'en fait à partir du moment où on le fixe comme étant zéro sur le bord, il va valoir 0 partout sur le bord. Première condition. Deuxième condition, si je prends, donc si je regarde le Laplacien sur mon graphe. Donc ça veut dire quoi le Laplacien sur mon graphe C'est l'opérateur. Qui somme h de x prime moins h de x pour x prime voisin de x. D'accord? Donc si je suis le h euh, le delta, euh, on va mettre point, ça va être le laplacien sur oméga delta. Et je vais aussi définir laplacien h qui est le laplacien sur oméga delta circuit, enfin sur le dual. Si je définis ces deux choses, alors en fait, le Laplacien noir de H va toujours être positif, et le Laplacien euh, euh, cercle de H va toujours être négatif. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si je me mets un sommet de mon graphe et que je fais la différence ça moins ça, plus ça moins ça, plus ça moins ça, plus ça moins ça, je vais toujours obtenir quelque chose de positif. Et si je me mets sur un, une face, et que je fais la même chose, je vais toujours obtenir quelque chose de négatif. Ce n'est pas du tout évident, ça. Hein. Là, les propriétés, elles ne sont pas évidentes, ça va être euh, dans, le deuxième, dans la deuxième heure, je vais vous expliquer pourquoi elles sont vraies, mais il n'y a rien d'évident. Hein. Et la dernière propriété, dernière propriété, c'est une propriété un petit peu euh, technique, d'ailleurs j'en parlerai pas trop après, mais c'est qu'en en fait, le, la, le gradient de H delta et le gradient de F delta, elles sont bornées par C delta. Pour tout, enfin epsilon, il existe un c tel qu'on est ça pour toute x qui, n est, qui est dans oméga delta, dans oméga privé de, euh, privé de la boule centrée en a et de rayon epsilon. Donc qu'est-ce que dit cette dernière chose Elle vous dit, ok, j'ai mon domaine comme ça j'ai A et j'ai B, elle dit, tant que, je suis, tant que je me mets loin de A, en fait, h delta et f delta, c'est des fonctions qui sont très régulières. Ça, ça va être typiquement, vous voyez, par exemple, automatiquement, si j'ai ça, ça nous dit en gros que la dérivée de ma fonction h delta est bornée, que la dérivée de ma fonction f est bornée, enfin, par exemple, qu'elles sont lipschitziennes. Et ça, ça va nous permettre, en fait, juste après le, la pause, D'utiliser euh, un théorème de convergence, de, de compacité juste pour montrer qu'en fait on peut extraire des sous-suites convergentes déjà, gratuitement. Le, fait qu y a un, le truc, c'est qu'en A, en fait, il y a une singularité, la fonction n'est pas régulière du tout. D'ailleurs, vous, vous remarquerez que j'ai bien fait attention ici de dire que c'était convergence uniforme sur tout compact de oméga. Je vous pas du tout dit ce qui se passait en A, et en fait, en A, il y a une singularité. La, votre fonction, elle explose. Phi, elle explose puisqu'elle converge vers plus l'infini. D'accord Voilà, donc ça, c'est la fin euh, de, de... Enfin, on va, on va faire une pause. Et donc après, ce que je vais faire, c'est essayer de vous expliquer pourquoi cette fonction... Pourquoi une fois qu'on a ce théorème, en fait, c'est très simple de déduire la convergence de F. Et ensuite, ben, pourquoi on a euh, ça Parce que là, il y a deux choses qui sont non triviales. Cette fonction-là, vous voyez bien, il y a un petit problème quand je le définis comme ça, il y a un problème de compatibilité. Ce n'est pas du tout évident qu'il y ait une fonction qui vérifie ça pour toutes les arêtes. Vous pouvez, pour chaque deux points, choisir un chemin. Si vous prenez un uniforme spanning tree, de votre... enfin, si vous prenez un arbre couvrant, vous pouvez définir la fonction de telle sorte que le long des arêtes de cet arbre couvrant, vous aurez cette propriété-là. Ça n'y a pas. Mais après, n'importe quelle autre arrête, vous n'avez aucune garantie que vous aurez encore cette propriété-là. Votre forme, elle n'est pas fermée, a priori. C'est une façon de voir le... Donc du coup, on va essayer de justifier pourquoi effectivement on a ça. Et puis qui plus est, quand on est fini cette fonction, pourquoi elle vérifie ces trois propriétés. Voilà. Et ça finira le, le cours sur un point, entre guillemets, on va dire, positif. Voilà, donc on fait une pause de 10 minutes et puis on reprend à 40. Peut-être commençons par essayer de voir. Euh, le, pourquoi ce théorème implique, enfin, cette proposition implique le théorème D'accord Donc preuve du théorème euh, à partir de la de la proposition. Donc quelle est l'idée Donc la propriété P3. Elle implique en fait, par Ascola, que le H et F, donc H delta, et d'ailleurs aussi F delta, ce sont des familles très euh, compactes Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour montrer la convergence, pour essayer de montrer la convergence de ces choses, je vais prendre des sous-suites convergentes. Donc, je vais prendre des euh, valeurs d'adhérence et je vais montrer que la seule valeur d'adhérence possible pour f, c'est racine de phi prime. D'accord Donc, on va prendre, prenons euh, h et petit f des euh, valeurs d'adhérence de h delta et f delta. Très bien. Donc maintenant, mon but, c'est d'essayer de montrer que déjà h, forcément, c'est la partie imaginaire de phi. Donc pour faire ça, ce que je vais noter, c'est que la propriété p2, donc p2, ça implique quoi bah, Si h converge effectivement, avec un tout petit peu de... Ce n'est pas complètement évident, mais vous allez me croire là-dessus. Si h converge... Cette propriété-là va nous dire que petit h est euh, sous-harmonique, enfin, laplacien positif, je ne me rappelle jamais si c'est sous- ou surharmonique. Et dans ce cas-là, ça va me donner que le laplacien est négatif, donc je vais avoir laplacien égale 0, effectivement. Ce qui était faux au niveau discret, mais ce qui est vrai au niveau continu. Donc laplacien de h égale 0. Donc, ma fonction, elle est harmonique. De plus, ma fonction, elle est elle est continue sur le bord à part en A. Hein donc P3, elle dit que, P3, dit que H est continue sur oméga bar privé de A et que, en fait, H est égal à 0 sur le bord privé de A. Ça, c'est dû à la propriété. Euh, donc ça, c'est P1. Ça oui, P1. P1 nous dit du coup que H vaut 0 sur le bord. D'accord Donc, si on en revient à mon expression en termes du, euh, du noyau de poisson, H est une fonction harmonique qui vaut ces conditions-là. Donc, si j'écris H de euh, X égale l'intégrale de P oméga de YX dénu de Y, quelle est la seule loi Enfin, quelles sont les seules mesures nu qui sont compatibles avec le fait que H vaudrait 0 sur le bord. Les seules qui sont compatibles, c'est les mesures de Dirac en 0. Euh, en euh, A, excusez-moi. Donc cette représentation plus les conditions au bord, ça implique que nu, c'est en fait lambda fois le Dirac en A. C'est la seule mesure possible. Mais du coup, ça nous dit quoi Ça nous dit que H, c'est un certain lambda fois la partie imaginaire de phi. J'aurais peut-être dû rajouter, excusez-moi, je vais rajouter ici que f delta, donc j'ai rajouté un P4 qui est que f delta. Euh, euh, Pré-holomorphe. Okay, Rajoutons ça. Euh, parce que je me rends compte que j'ai oublié une petite chose. Donc, H est comme ça. Voilà. Donc, maintenant, en gros, j'ai identifié la limite de H. Essayons d'identifier la limite de phi. De, de F, excusez-moi. Donc maintenant, H, c'est aussi la partie imaginaire de la primitive, je vais noter ça comme ça, de F carré. Ça, c'est simplement parce qu'au niveau discret, j'ai étoile. Et si j'ai étoile au niveau discret, quand je passe au continu, ça va me donner cette propriété-là. Donc par étoile. D'accord donc ça me dit que partie imaginaire de psi est égale à partie imaginaire de l'intégrale sur z de f carré. Alors, c'est là où justement P4 va être important. Vous ne savez pas vraiment ce qu'est préholomorphe, je vais vous dire ce que c'est dans deux secondes, vous inquiétez pas. Mais ça veut dire à peu près holomorphe, d'accord Et donc en particulier, les fonctions préholomorphes, quand elles convergent, elles convergent vers des fonctions holomorphes. Donc ça, p4 nous dit que petit f est holomorphe. Donc la primitive de f carré est holomorphe. Donc le fait que la partie imaginaire de phi de psi est égale à la partie imaginaire de cette fonction, j'ai deux fonctions holomorphes qui ont une même partie imaginaire, elles sont égales à constante près. Donc, si est égal à la primitive de f carré plus une certaine constante. Et là, je peux maintenant, c'est des fonctions holomorphes, je peux différencier. J'obtiens bien que f, c'est. Euh, et j'avais dit, excusez-moi, j'avais mis. H, c'était lambda fois la partie imaginaire. Donc là, j'ai lambda fois ça. Donc, f ici, quand je différencie, j'obtiens que c'est égal à la racine de lambda psi prime. Qu'est-ce qu'il me reste à faire Il me reste à identifier le psi, le lambda. Donc le poisson kernel, je vous ai, il vérifie exactement. Là ici, si, si je prends, enfin, le, le poisson kernel comme défini comme je l'avais défini comme. Je ne l'ai pas vraiment défini, donc du coup, ça simplifie la tâche. Mais euh, Est-ce qu'il y aurait une baguette ou un C'est un peu décevant, mais bon, c'est pas grave. Là, je ne vous ai pas vraiment défini ce que c'était cette chose-là. En fait, il y a une unique. Euh, a, cette fonction, elle est unique à constante multiplicative près. C'est une unique fonction qui permet de faire cette représentation que n'importe quelle fonction harmonique s'écrit comme cette intégrale contre une certaine mesure. C'est juste une histoire de dualité euh, de Ritz, okay. quelque chose comme ça. Donc cette chose-là est définie à constante près. En particulier, le psi là, si je veux que ce soit exactement égal à ça, le psi ici, c'est celui qui a, dérivé zéro, euh, qui a dérivé 1 en B. En fait. Donc quand je suis ici, la chose qu'il faut que je vérifie, en fait, le lambda, il va forcément valoir 1. Parce que quand f tend vers b, ma normalisation, si on retourne ici, ma normalisation a été faite de telle sorte que f delta de b, delta c'est juste 1. D'accord Donc la normalisation f delta de b delta égale 1, ça implique que f de b doit valoir 1. Donc là, même si b est sur le bord, ce n'est pas du tout gênant parce que. J'ai vraiment supposé que ma fonction était vraiment continue à part en A. Donc en particulier en B, il n'y a aucun problème. Donc f de b égale 1, et f de b égale 1, puisque psi prime de b est égal à 1, ça nous force lambda à être égal à 1. Puisque psi prime de b égale 1, cela force lambda égale 1, et on a bien F égale racine de phi'. Prime. Donc, sachant que c'était vrai pour n'importe quelle valeur d'adhérence de, de f delta, ça nous donne que f delta converge vers racine de phi'. Prime. Voilà. Donc, cette partie-là, là, il y a des petits détails hein, techniques qui sont. Euh, mais au fond, je n'ai rien caché vraiment sous le tapis, à part des problèmes techniques. Au niveau conceptuel, c'est vraiment l'idée est là. Donc maintenant, la grosse difficulté, c'est d'arriver à vous montrer que la propriété, euh, euh, de vous montrer la propriété. Et pour faire ça, on va introduire une nouvelle notion. Donc on va, on va introduire une propriété de la fonction f f delta qui permet de dire que automatiquement si une fonction vérifie cette propriété alors la fonction h existe donc définition donc la fonction f définie sur les milieux d'arêtes d'un graphe sur les milieux d'arêtes de oméga delta. On va dire qu'elle est S holomorphe. Ça va être une genre de notion de d'holomorphicité discrète. Ça ne va pas être clair à première vue, mais vous allez voir. Si... Deux choses. Quel que soit X et Y voisins, donc euh, tel, euh, X et Y comme ça, donc imaginons que j'ai une face de mon graphe et j'ai X et Y qui sont comme ça, d'accord Donc il y a en particulier un point là. Ça, je vais appeler ça l'arrête E. Quel que soit X et Y comme ça, la projection de F. De x sur, raide, sur racine de E bar R. Donc je vois l'arrête E comme un nombre complexe. Vous pouvez l'orienter, ça ne va rien changer. Comme un nombre complexe, vous prenez racine de E bar fois R. Si la projection est égale à la projection de f de y. Sur racine de e bar fois r. Donc les projections sur une espèce de, sur une, dans une direction particulière sont les mêmes. Alors là, euh, Si ça vous semble pas naturel, c'est normal. Hein c'est pas du tout quelque chose d'intuitif euh, cette, cette définition. Le S, le S. Euh, pour spin, parce que euh, dans le cas présent, en fait, c'est f delta. Vous voyez le, le 1,5 demi dans la définition là-haut là c'est l'interprétation d'un spin. Et euh, le modèle d'Ising a un spin ennemi. Et donc, du coup, puisque ça a été introduit pour le modèle d'Ising, euh, Stas l'a appelé spin holomorphe. Mais euh, je ne crois pas qu'il y ait d'analogie plus forte que ça. Enfin, en tout cas, je ai jamais entendu. Deuxième chose, on peut, moi, je préfère strong holomorphe, presque, parce que c'est une propriété qui est plus forte même si elle est vérifiée par beaucoup moins de fonctions. Deuxième chose, euh, il a, il faut, je vais dire ce qui se passe sur le bord. Donc quand je suis sur le bord, imaginons que j'ai x, mais que j'ai y là qui est vraiment un point du bord, je vais juste demander que f carré soit de y, soit orthogonal, à, euh, donc là, ici, j'ai euh, u et v, soit orthogonal à v moins u. Donc ça, c'est l'interprétation, le carré de ma fonction est orthogonal au, euh, au vecteur euh, tangent au bord de mon domaine. C'est ça l'interprétation. Bref. Là, vraiment, euh, cette définition, elle n'est pas très naturelle, mais juste, elle permet de faire ce qu'on veut. Alors, pourquoi elle permet de faire ce qu'on veut Première chose, si on est S-holomorphe, alors on est pré est Ce qu'on appelle pré-holomorphe. Qu'est-ce que c'est que pré C'est une notion d'holomorphicité pour les fonctions discrètes. Sur un graphe. Alors, il y a des milliards de définitions pour la notion d'holomorphicité, de, de elles sont juste toutes équivalentes les unes aux autres. Et en particulier, il y en a une, c'est qu'on a les équations de Cauchy-Riemann. Donc, au niveau discret, sur, disons, Z2 par exemple, il y a une définition naturelle de, de, de fonctions qui vont être holomorphes pour les fonctions qui sont définies sur les milieux d'arêtes, enfin sur les arêtes. Ça va être de dire que f de nord moins f de sud est égal à i fois f de est moins f de ouest. Donc, pré-holomorphicité, f de nord moins f de sud, je pourrais l'écrire sur nord moins sud, égal f de est moins F de ouest sur S moins ouest. Donc ça, c'est vraiment dire la dérivée dans cette direction est la même que la dérivée dans cette direction. Et puisque nord moins sud, c'est I fois S moins ouest, ça revient exactement à dire, je veux que F de nord moins F de sud soit égal à I fois F de est moins F de ouest. Donc ça, c'est la notion de préholomorphicité. C'est la notion la plus classique de l'homorphicité discrète. Et en particulier, vous voyez, donc ici je prétends que f delta est préholomorphe. Si vous avez une fonction qui est préholomorphe et qui converge, vous pouvez vous douter que du coup, à partir du moment par exemple où cette chose-là converge bien vers la dérivée partielle dans une direction, vous allez exactement obtenir que la limite est holomorphe. Donc il ne fallait pas s'étonner d'avoir que la fonction f était holomorphe. Très bien. Alors, première observation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais vous montrer que si j'ai une fonction qui est S holomorphe, alors la fonction H existe et il y a toutes les propriétés. Et la dernière chose que je n'aurai pas le temps de faire, c'est de montrer que F delta est solomorphe, en fait. Donc, première observation une fonction S holomorphe, donc S holomorphicité, implique préholomorphicité. Donc en particulier, ça nous donne P4. Si on a. Si on a que la fonction est bien s-holomorphe, on aurait p4. Donc, entre 1 et un p4. Alors, comment montrer ça C'est un calcul. Tout, là, je ne vais, vais pas aller faire les calculs, mais c'est un calcul. C'est juste observer que la projection par rapport à racine de e bar de r de f de x, c'est quoi si je l'écris si je shift par racine de bar, c'est quoi C'est équivalent à dire f de, enfin, si vous voulez, plutôt, 1. 1, c'est équivalent à dire. Ce qui veut dire que f de x plus e bar, donc c'est e, f de x bar est égal à f de y plus e bar f de y bar. Ça revient à dire ça, que les projections sont égales. C'est une autre façon d'écrire la chose. D'accord Mais du coup, ici, vous voyez, si vous écrivez cette relation pour ces quatre arêtes, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, alors là ici euh, peut-être ici c'est plutôt e divisé par module de e. Hein. Si vous écrivez cette relation pour ces quatre arêtes, vous allez avoir quatre équations qui impliquent f de nord, f de S, f de sud, f de ouest et f de nord bas conjugué, f de sud conjugué, f de ouest conjugué, f de est conjugué. Les quatre relations vous autorise à faire disparaître F de Ouest conjugué, F de nord conjugué, F de sud conjugué, F de S conjugué. Et en faisant disparaître ça, en fait, vous obtenez exactement cette relation. Une autre façon de faire, c'est que vous faites ça moins ça, ok. Et vous, étudiez, vous utilisez ces équations et vous allez voir qu'effectivement, ça vaut zéro. Une autre façon de faire. D'accord C'est vraiment un calcul euh, bête et méchant. Il n'y a, y a, y a pas de subtilité derrière. Donc ça c'est la première observation, on a P4. Deuxième observation, essayons de... Essayons de prouver l'existence de H. Donc comme je vous ai dit, l'existence de H, on peut définir une fonction H qui va vérifier l'équation pour toutes les arêtes d'un euh, arbre couvrant. Ça, c'est automatique, on peut le faire pour n'importe quelle fonction. Ce qu'on aimerait, c'est le faire pour de telle sorte que la, la relation étoile, qui est h de x moins h de y euh, moins h de c'est la partie imaginaire de blabla, cette relation on aimerait l'avoir pour toutes les arêtes. Or on va l'avoir pour toutes les arêtes euh, si on arrive en fait à définir la fonction comme ça. Imaginez que je vous définisse une fonction de telle sorte, donc, que quel que soit... H black et A, donc ça je vais l'appeler B et ça je vais l'appeler W. Euh, ou no, oui. Noir et blanc. Quel que soit un sommet noir adjacent à un sommet blanc, à une face blanche, imaginez que je puisse définir H de telle sorte que H de noir moins H de blanc, ça vaut, alors je juste suis un tout petit peu gaffe avec ta constante, mais racine de 2 delta fois la projection. Sur racine de E bar de f de x au carré. Donc je prends x ici et je regarde la projection là-dessus et je définis f de noir moins f de blanc, c'est ça. Alors je prétends que euh, cette définition va est, est cohérente dans le sens que. Si je définis la chose comme ça, première propriété, Donc, imaginons qu'on ait ça pour toutes noir, noir et blanc adjacent, alors je prétends bon, déjà que je peux définir une fonction comme ça, ce qui n'est pas évident a priori, pour la même raison qu'on ne peut pas définir a priori la primitive une fonction comme ça et n'est pas complètement clair qu'elle soit bien définie. Mais c'est une fonction comme ça, elle va être bien définie dans le sens qu'elle va vérifier ça pour tout noir et blanc adjacent si si j'ai une cohérence locale dans le sens vous voyez si je veux définir h ici, j'ai deux façons de le définir. Euh, si j'ai défini h ici, j'ai deux façons de définir h ici. Je peux soit commencer par définir le noir ici puis le blanc, ou soit définir le noir ici puis le blanc. Mais à partir du moment où j'ai une cohérence à ce niveau-là, si je sais que en fait définir comme ça c'est la même chose que définir comme ça, je peux définir ma fonction partout et ce sera bien cohérent. Parce que quel que soit le chemin que je ferai, si je prends deux chemins différents pour définir ma fonction, je définirai la même valeur de ma fonction à cet endroit-là. Donc à partir du moment où j'ai une cohérence entre ce chemin-là et ce chemin-là, je vais avoir une cohérence entre n'importe quel chemin et n'importe quel chemin, tout simplement parce que je peux déformer le chemin ici, je peux le ramener à celui-là, juste en faisant des différences symétriques avec des petites faces. Donc j'ai besoin de vérifier quoi, en fait J'ai besoin de vérifier. J'ai un x ici. Remarquez que j'aurais pu... J'aurais pu ici prendre y, hein, c'était la même chose puisque x et y ont la même projection. Sur le Donc j'ai besoin de vérifier que la projection de f de x sur, disons que ça c'est e1, e2, e3, e4, j'ai besoin de vérifier que la projection de x sur e1, de f de x sur e1, sur racine de e1 bar, au carré, Moins la projection, donc là je suis allé de blanc à noir, donc j'avais un plus, puis après je vais aller de noir à blanc, donc je vais avoir un moins, moins la projection de f sur racine de e4 bar de f de x au carré, ça c'est exactement la différence entre cette valeur et cette valeur si je suis allé comme ça, j'ai besoin de montrer que c'est la même que celle que j'obtiendrais si j'allais comme ça. Donc j'ai besoin de montrer que c'est la même que cette chose-là. D'accord Si j'arrive à montrer cette égalité pour tout x, j'aurai que aller comme ça ou comme ça, ça me donne la même chose, et du coup j'ai bien une définition cohérente avec une expression comme ça. Alors... On n'aime pas les moins, faisons disparaître les moins, mettons un plus et un E3, et ici mettons E4 avec un plus, d'accord, je vais juste passer de l'autre côté. Et observons que E1 et E3, quel est l'angle entre les deux, entre les deux euh, donc E1 c'est la projection sur cette, sur cette chose-là, disons. Et E3 c'est sur celle-là. Donc l'angle entre les deux est... Euh, ah, oui ici excusez-moi, j'aurais peut peut-être dû vous dire. Ici, puisque on a une inconnue, on, oriente, on doit orienter l'arête pour avoir vraiment un vecteur, on le fait de façon cohérente en allant toujours comme ça par exemple. On pourrait choisir une autre, une autre direction. Excusez-moi, j'aurais dû être un peu plus précis. Donc ici j'ai deux, deux vecteurs, E1 et E3, qui forment un angle π entre les deux, qui ont une différence d'argument de π. Du coup, la racine de E1 bar et la racine de E3 bar ont une différence de pi sur 2 en termes d'arguments. C'est deux vecteurs orthogonaux. Donc, quand je regarde la projection par rapport à ça, plus la projection par rapport à ça, je suis en train de regarder la projection d'un vecteur, enfin d'un nombre complexe, sur deux directions orthogonales. Quand je prends le carré de ça, le, enfin la somme des carrés, en fait, je suis juste en train de prendre le module de f de x. Donc ces deux choses, cette chose-là, c'est égal au module de f de x. Et en fait, ici, vous pouvez faire le même raisonnement. Vous avez deux autres angles qui, cette fois, partent. Celui-là et celui-là. Donc c'est aussi le module. Donc ces deux quantités valent en fait le module de f de x au carré. Point. Donc il y a bien une définition là. Cette définition, elle est bien cohérente. Je peux avoir une fonction h qui vérifie cette chose-là pour tous les n et b adjacents. Et en fait, cette fonction h, c'est exactement la fonction qu'on veut. Donc euh, effectivement, je vais poser f de h, égale 0, enfin h de, euh, de, de y égale 0 sur le bord, sur un point du bord. Et c'est exactement la fonction f qu'on veut, dans le sens qu'en particulier, cette chose-là, on peut vérifier qu'en qu plus, quand je fais h... Que le calcul que j'ai fait là-bas, il va aussi me donner que H de X moins H, enfin H de B1 moins H de B2, c'est effectivement la partie imaginaire de F carré de B1 plus B2 sur 2 fois B2 moins B1. C'est-à-dire qu'on peut aussi calculer. Cette chose-là et ça, on peut on peut le voir juste en se disant si j'ai noir ici et noir ici, ben quand je fais ça moins ça, ben, c'est de nouveau en fait c'est une autre façon de faire, ça serait tout simplement si je n'avais pas mis le moins donc avec le plus ça me donne ça, avec le moins quand je regarde cette quantité là, ça me donne exactement la partie imaginaire de f carré de x fois b2 moins b1. C'est quelque chose qu'il faut calculer qu'il faut vérifier par le calcul. Mais ça marche aussi. Donc si j'étais si resté avec le moins ici, j'obtenais exactement partie imaginaire de f carré de x fois, dans le cas présent, puisque je suis allé en haut euh, fois i. Voilà. c'est une chose à vérifier. Fois i fois euh, donc, quelque chose comme racine de 2 delta, qui est i fois racine de 2 delta, c'est bien la taille de cette chose-là. Donc c'est un petit calcul comme ça. Mais vous pouvez vérifier qu'effectivement H, c'est bien l'intégrale de, de F carré. Donc ça, c'était, ça nous donne l'observation 2 qui est euh, l'existence de euh, H. Ensuite, il nous reste à vérifier les propriétés P1, P2 et P3, et on en a quasiment fini, on va presque être dans les temps. Ce n'est pas une preuve complète, hein, mais ce n'est pas un théorème trivial non plus. Donc <laughs> on ne peut pas tout faire en deux heures. Euh, mais là, le, ce que je saute, c'est juste les calculs. Regardons sur le bord. Sur le, ah bah, Je ne vais pas effacer. Observation 3. Sur le bord, j'ai toujours cette relation-là. Donc si je prends euh, N1 et N2 sur le bord, donc j'ai un sommet comme ça, qui lui est juste c'est un, un demi-edge, quand je fais h de n2 moins h de n1, j'obtiens que c'est la partie imaginaire de f carré de x fois b2 moins b1. Mais j'ai dit f carré sur le bord, la définition de s me dit que f carré sur le bord, c'est orthogonal au vecteur. Donc f carré sur le bord est orthogonal à n2 moins n1. Et donc du coup, quand je fais la partie imaginaire de f carré fois b2 moins 1 j'obtiens euh, quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Donc je veux dire proportionnel. Ouais, en fait, excusez-moi, c'est proportionnel à ça. Donc j'obtiens quelque chose de réel, excusez-moi, quelque chose de réel, et du coup la partie imaginaire vaut 0. Et donc j'ai bien que h de n2 est égal à h de n. excusez -moi. Je n'ai pas l'habitude de présenter cette preuve-là. En fait, je, pr je préfère euh, présenter la preuve sur euh, le modèle de random cluster. Et donc, du coup, c'est un tout petit peu différent dans ce cas-là. Voilà. D'accord Donc, la, défi la, la demande, la, le requirement sur, le, sur les conditions au bord nous donne exactement que H2N2 égale H2N. Observation 4 maintenant. Donc, tout, vous voyez, tout le génie était en fait dans, le, dans la définition de la S-holomorphicité. Maintenant, c'est que des tout petits calculs qui permettent de vérifier qu'on a bien la bonne fonction. Donc, prenons euh, un sommet. Donc prenons un, un sommet euh, noir avec nord-est. Hop. Et les quatre sommets autour. Et rappelons-nous que la fonction, elle est définie ici. Donc il y a f de est, f de nord, f de ouest et f de sud. Donc l'aplacien de h en sommet nord au centre, c'est quoi C'est par définition h de nord enfin, moins h. N plus H de nord-ouest moins H de nord plus, etc. D'accord C'est la définition du Laplacien. Je fais la somme des différences. Mais maintenant, cette chose-là, j'ai dit que je savais l'exprimer en fonction de la partie imaginaire. Donc ça, c'est la partie imaginaire, par exemple, de f carré de nord fois... B2 moins B1, B2 moins B1 étant euh, donc B2 moins B1 étant donc delta fois I dans ce cas-là. Et je peux faire la même chose pour les autres. Ici, je peux dire que c'est plus F de est au carré fois delta cette fois, plus F de ouest au carré fois moins delta, et moins I fois F de sud au carré fois delta. D'accord? Donc, je peux mettre le delta devant. Donc, c'est imaginaire, c'est delta fois ça. Et j'obtiens juste donc la partie imaginaire d'une certaine combinaison linéaire des carrés de f sur le bord. D'accord Eh bien, je peux vérifier. C'est un tout petit calcul de nouveau. cette chose là c'est égal en fait exactement à euh, delta fois f de nord au carré moins f de sud au carré plus f de ouest moins f de est au carré c'est juste un calcul de nouveau et j'ai l'égalité entre les deux, donc ça calcule. Donc vous voyez, l'interprétation, c'est que là, j'obtiens le gradient de f au carré. Donc pour revenir à, à votre question à la pause, en disant on s'attend à ce que le, le laplacien de h devienne de plus en plus petit, effectivement, là, on se rend compte qu'il y a un delta, le gradient de, a, de f devrait naturellement être d'ordre delta aussi, et puisqu'il y a le carré, ça nous donnerait un delta Q. Donc effectivement, c'est sous-harmonique ou sur harmonique, mais euh, seulement d'un tout petit peu. Ça tend effectivement vers quelque chose Attends. Donc là, de nouveau, hein, c'est un tout petit calcul. Il faut juste vérifier que les deux quantités sont égales. Il euh, n'y a pas de problème. On a suffisamment d'informations. La S holomorphicité est suffisamment contraignante pour avoir cette égalité-là. Si vous faites pour, euh, le, pour, euh, des pour des faces, en fait, vous allez obtenir ici moins delta fois le gradient. Voilà. Donc là, on a bien quelque chose de positif. Et dans le cas des faces, on a quelque chose de négatif. Alors il reste l'observation 5 que je ne vais pas faire parce qu'elle est horrible. Qui est d'essayer d'obtenir la précompacité. Alors elle, elle est plus compliquée. Mais en quelque sorte, elle est basée essentiellement sur le fait que automatiquement, une fonction qui est holomorphe, par exemple, donc pour la fonction f delta, ça va être facile parce qu'une fonction qui est pré-holomorphe, elle est pré-compacte. En fait. Une famille de fonctions pré -holomorphe. dès que c'est borné, c'est pré-compact, donc il faut juste montrer que c'est borné, et ça, ce n'est pas très dur. Et en fait, pour h, c'est un peu plus dur parce que c'est sous-harmonique sur harmonique, mais on peut aussi jouer sur le fait que les fonctions... Sur harmonique, par exemple, c'est des fonctions qui sont relativement régulières. Donc du coup, on arrive quand même à faire quelque chose avec ça. Donc là, c'est une partie plus technique. Conceptuellement, il n'y a pas grand-chose de caché dedans, mais euh, c'était euh, un truc. Voilà, donc cette notion de Sonomorphicité, c'est Stas Smirnov qui l'a introduite pour en fait, montrer d'abord le cas de, du, de random cluster, donc le, du Q égale 2 pour le random cluster, qui après l'a utilisé avec Dima pour faire euh, le théorème pour easing. Et vraiment, si vous voulez, c'est une notion d'holomorphicité qui est plus forte que la notion de préholomorphicité habituelle. C'est une notion qui a été faite parce que si on, on pourrait juste se dire, mais pourquoi on n'a pas juste regardé une, une notion de préholomorphicité Juste pourquoi on ne vérifie pas que la fonction euh, f delta, là, là, ce que je vais faire dans, la, dans les dix dernières minutes, c'est juste vous expliquer rapidement comment on démontre que f delta est holomorphe, et dans ce cas-là, on a fini la preuve. On pourrait se dire, mais pourquoi vous n'essayez pas juste de montrer qu'elle est pré préholomorphe Le problème, c'est que si elle est préholomorphe, les conditions au bord ne vont pas être faciles à... Si j'ai juste une fonction préholomorphe, je ne peux pas définir a priori la fonction h. Et donc du coup, ce n'est pas du tout évident comment je vais essayer de démontrer qu'une limite, euh, une sous-suite sous convergente vaut effectivement racine de φ'. La façon de faire ça serait quoi C'est de dire, je prends une limite de f de delta. Imagine, je vous donne que f delta est préholomorphe et borné. Donc, vous allez me répondre, ben j'arrive à montrer qu'elle est euh, précompacte. Donc, je prends une sous-suite convergente, je prends une valeur d'adhérence, et j'ai envie de montrer directement que la valeur d'adhérence, c'est racine de phi'. Bon, la valeur d'adhérence, si vous réfléchissez, si je suis préholomorphe, c'est vraiment pas très dur, en fait, hein, faites-moi confiance, de montrer que cette propriété-là, quand on passe au continu, elle implique vraiment que la fonction est holomorphe. Donc ma limite d'échelle, ma, ma valeur d'adhérence, elle est holomorphe. Très bien, elle est holomorphe. De plus, en fait, là, sur ce qu'on aimerait dire, c'est bah, pour l'identifier, si je sais qu'elle est holomorphe, si j'ai si ces conditions au bord, je sais que ça va être l'unique solution à un certain problème avec conditions au bord. Par exemple, imaginez si je connaissais exactement ces valeurs au bord, je pourrais dire... Ben, c'est la solution du problème de Dirichlet associé à ces valeurs au bord. Le problème, c'est que je ne je, je vais pas connaître les, les valeurs au bord de f. La seule information que je vais avoir, que je vais vous expliquer juste après, c'est effectivement que f est proportionnel au, euh, au, à à la, au, au vecteur tangent. Donc, ça ne me donne pas la valeur, ça me donne juste une information sur l'argument. Ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes qui sont, ce qu a dans le continu, des problèmes de Riemann-Hilbert. Quand je dis, je veux une certaine fonction holomorphe satisfaisant que, par exemple, elle est proportionnelle, là, dans le cas présent, à la racine de, euh, du vecteur tangent, ou elle est orthogonale à la racine du vecteur. C'est des problèmes de Riemann-Hilbert. C'est des problèmes qui sont beaucoup plus durs à étudier, et en particulier, il se trouve que même si on a l'information au niveau discret que c'est proportionnel, ça va être très très dur de montrer que n'importe quelle suite convergente, valeur d'adhérence, vérifie que c'est une solution du problème de Riemann-Hilbert dans le continu. Donc même si on sait que c'est une solution du problème de Riemann-Hilbert discrétisée, en quelque sorte, on n'a pas automatiquement la convergence. Donc tout le génie de, de l'introduction de cette S-holomorphicité, c'est que Stas voulait en fait avoir une définition un peu plus forte de la S-holomorphicité qui nous permette de... Contourner le problème en définissant directement une fonction qui, est en fait, elle, est plutôt une solution d'un problème de Dirichlet. Parce que la fonction H, elle, ses conditions au bord, c'est vraiment zéro. Donc, moralement, on a une fonction là qui est solution d'un problème de Dirichlet. C'est beaucoup plus facile à identifier et c'est effectivement ce qu'on fait. On ne le dit pas comme ça, mais c'est effectivement ce qu'on On arrive à montrer que ça converge vers le, poisson, vers le noyau de poisson. D'accord donc cette, cette définition, elle, elle apparaît un petit peu comme, euh, comme un cheveu sur la soupe, mais c'est vraiment pour essayer de comprendre ces conditions au bord, en quelque sorte. Alors, juste, je finis là dans les cinq dernières minutes en vous expliquant un petit peu, parce que là, il y a une, un gros manque dans tout ce que je vous ai expliqué, c'est que je ne vous ai pas dit que F delta était s Je ne vous ai pas montré qu'elle était solomorphe. s Si S'il n'est pas s on ne peut pas du tout appliquer toutes ces observations pour montrer qu'effectivement la proposition est vraie. Donc il faudrait vérifier que la fonction est seulement. Donc dernière proposition. F delta est insolomorphique. Alors il y a deux choses à faire. Ah, euh, dans la notion de s si je l'ai vraiment définie comme ça, le problème c'est que... Enfin, quand je disais sur le bord, je ne sais plus où est-ce que j'ai marqué la définition, sur le bord, je voulais dire sur le bord moins A-delta. Il faut enlever A-delta. Si vous revenez à la... Elle ne vérifie pas la propriété d'être proportionnelle au, euh, au vecteur tangent sur le bord, euh, en A-delta. OK. Donc... Prenons Z delta sur le bord de notre graphe, mais Z delta différent de A delta. D'accord Et l'observation, ça va être la chose suivante. Quand je suis sur le bord, si j'ai une arête sur le bord comme ça, donc je suis en train de regarder la somme sur tous les, les configurations, tous les sous-graphes. tous les ceux graphes de E, A delta, Z delta, et je divise par la, la même somme pour tous ceux qui finissent en B delta, mais l'observation, c'est que dans ce cas-là, le terme de winding, puissance moins I sur 2 fois le winding entre A delta et Z delta, il est déterministe. Vous pouvez vérifier que, quelle que soit la courbe allant de A delta et z delta à Z delta restant dans le domaine oméga delta, quelle que soit la courbe, le winding sera toujours le même. Ce sera en fait le même que si vous alliez le long, du chemin, le long ici. Parce que le domaine est simplement connexe, ça sera toujours le même. Dessus. Cette courbe-là, elle est rétractable, donc en particulier son winding, c'est 2 pi. Point. Enfin, c'est 2 pi. Mais du coup, tout ça, ça me dit que le terme ici, quand je retourne ici, Le terme de winding, en fait, il est déterministe. Je peux le sortir, il ne dépend pas de la configuration oméga. Même chose ici. Et du coup, je vais avoir quoi Je vais avoir e puissance moins i sur 2 fois le winding entre a delta et z delta, divisé par e puissance moins i sur 2 fois le winding entre a delta et b delta. Et ce winding, je peux le voir sur n'importe quelle coupe qui va, sur, qui, qui va de a delta à z delta et de a delta à b delta. Donc pourquoi pas prendre le bord, tout simplement. Et si vous prenez le bord, ce que vous allez observer, c'est qu'en en fait, ce E puissance I sur 2 fois le winding de A delta Z delta moins, e, enfin plus, ou donc moins, winding de A delta B delta, ça c'est exactement ce qui va me donner l'argument de F sur le bord parce qu'après le reste de la somme est juste réel positif, ça, ça va vous dire que cette chose-là, elle est effectivement parallèle à racine du vecteur ici, quel que soit le bord. C'est quelque chose qu'il faut vérifier, mais c'est toujours le cas. Donc si vous élevez au carré, ça, ça va être l'argument de carré de f, et vous pouvez vérifier, c'est toujours parallèle au vecteur tangent. Vous le vérifiez juste par en faisant une en partant par exemple de b delta et en euh, en allant le long du bord. Continuons étape par étape, à chaque fois la propriété est préservée puisque le vecteur tangent va bouger d'un certain winding, mais ici vous êtes en train de prendre le winding du bord, donc le winding du bord bouge exactement de la même façon. Donc ça va toujours être parallèle au vecteur tangent. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est lambda fois e puissance e winding qui va être toujours parallèle au vecteur tangent pour un certain lambda qu'il faut fixer. Donc, en fait, et ça, je voulais le mettre sous le tapis avant, mais là, je vous dis juste entre parenthèses, ici, il y a un petit, il y a un petit nombre complexe de module 1 qu'il faut mettre, qu'il faut choisir en fonction de l'orientation de B delta, en fait. De, si, si B delta est une arête qui va comme ça, qui va comme ça. Peu importe, oubliez ce problème. En gros, la, la chose importante, c'est le fait que le winding soit déterministe sur le bord vous permet de définir, de, de comprendre quel est l'argument de la fonction sur le bord. Point. D'accord Donc ça, ça nous dit que la, les conditions au bord sont bonnes. Et maintenant, reste la chose compliquée qui est à l'intérieur, comment on montre que euh, la fonction était seulement donc pour montrer qu'elle est solomorphe, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut calculer euh, la projection. Donc je vais prendre un x et un y qui sont au milieu de deux arêtes. Appelons cette arête E. Elle est orientée comme ça. Il faut projection sur racine de E bar de f de x. Égale projection sur racine de E bar f de y, d'accord. Alors, vous remarquerez que f de x c'est une somme, donc f de x, je peux l'écrire comme somme de x de oméga. Où x de oméga, c'est la contribution de oméga à euh, f. Donc c'est quoi C'est ce terme là, ce terme là, je l'appelle x de oméga pour f de x, d'accord Donc ici, euh, et je vais même me simplifier encore plus la tâche. Oh, 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 comme ça. Donc ce, que ce qui serait parfait, c'est d'arriver à montrer que la projection, vous voyez, c'est une grosse somme sur, toutes les, sur tous les oméga, ce qui serait parfait, c'est d'arriver à montrer que la projection de x de oméga sur racine de bar, c'est égal à la projection de Y de oméga sur racine de E bar pour tout oméga. Si j'avais ça, en sommant sur oméga, j'obtiendrais l'égalité entre les deux sommes. Vous êtes d'accord Seul petit hic dans tout ça, c'est que pour que oméga contribue à X, il faut que ce soit un élément qui est dans E de A delta X. Et si je veux qu'il contribue à Y de oméga, il faut que ce soit un élément de E à delta y. Or, ces deux ensembles qui sont disjoints. Donc soit cette chose-là vaut 0, soit cette chose-là vaut 0. Les deux ne peuvent pas être non zéro en même temps. D'accord? Donc ça, ça n'a absolument aucune chance de marcher. Par contre, peut-être que je peux trouver une fonction S qui va de E à delta X dans E à delta Y bijective est tel que j'ai cette chose. Si j'arrive à faire ça, là j'ai gagné. Alors c'est possible de le faire. C'est un peu technique, mais c'est possible de le faire. Donc par exemple, si, pour vous donner un ou deux exemples, donc, si j'ai ça comme ça, bah, peut-être... Allez, je vous donne l'exemple le, le plus simple. Si j'ai la courbe qui arrive comme ça et qui descend ici, donc ça c'est oméga, donc elle contribue bien à x de oméga, x est là. Vous allez associer à s de oméga, qui est là, exactement, donc il y, a des, il y a aussi des boucles hein, partout, mais disons qu'on est comme ça. Vous allez exactement associer à la même chose, sauf que vous bougez cette demi-arête ici, vous la faites venir là, et, et vous ne bougez rien d'autre. Pour toute configuration comme ça, vous l'associez à S de ω qui est cette configuration-là. En fait, c'est assez simple de calculer la contribution de x de ω en fonction de celle de y de ω. Pourquoi il y a le même nombre d'arêtes Donc le xc puissance, la puissance oméga c'est le même. Le ici c'est exactement la même chose, bien entendu. Et ici, le winding de la courbe entre A delta et X, ou le winding de la courbe entre A delta et Y. Bah, ils sont très faciles à relier. Tout simplement pour celle-là, il y a un tour vers la droite en moins. Donc le winding ici va être π sur 2 plus le winding ici. Du coup, puisqu'on arrive bien à exprimer y de oméga en fonction de x de oméga, avec un tout petit peu plus de travail, ce n'est pas très dur d'imaginer qu'on peut montrer que la projection, les deux projections contre cette euh, enfin la racine carrée de, du conjugué de cet angle est le même. De ce nombre complexe est le même. Donc tu, on peut faire ça. Alors ça, ça, ça règle le cas de, de ce type de configuration. Il y en a plein d'autres. Donc par exemple, on pourrait, il y a des configurations qui arrivent comme ça. C'est juste deuxième exemple. Et puis en fait, on peut tous les faire par réarrangement local comme ça. Donc il y a, il y a les courbes qui font comme ça par exemple. Il y a celles qui arrivent, qui passent là et qui finissent ici. Alors celles-là, on va les associer en fait aux courbes. On va, on va, on va les associer à ces courbes-là. Et puis, donc, tous les gars comme ça, on les associe à ces gens-là. Et là, de nouveau, le winding, il est relativement simple à calculer. Dans les deux. Donc, les, il y a le même nombre d'arêtes ouvertes. Et pour calculer le winding, on peut voir que le winding ici par rapport à ici, qu'est-ce qui se passe Là, il faut rajouter le winding de ça. Et en fait, dans un, dans un, un domaine simplement connexe, vous pouvez vérifier que le winding de ça, il est déterminé. C'est toujours le même. Quel que soit, même si vous avez fait en fait, super, on s'amuse. Ouais, enfin, on fait ça comme ça et on arrive ici, ce sera la même chose que d'avoir fait ça, 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 ça. Du coup, on a une expression, on peut exprimer exactement y de oméga en termes de y de s de oméga en termes de x de oméga, et on peut vérifier que les projections sont les mêmes. Et on peut faire comme ça, il y a euh, 6k. Il y a 6k ici, ils sont mappés à 6k ici. Et dans chaque cas, il y a une, 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 une contribution comme ça. Donc un réarrangement local permet de montrer que la fonction est solomorphe. Du coup, la théorie des fonctions est solomorphe, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec le modèle easing, vous permet. c'est le seul endroit où on utilise le modèle d'Ising, ici, en fait. Ça et ça. C'est les deux seuls endroits où on en utilise le modèle d'Ising. Avant ça, on n'a pas utilisé le modèle d'Ising. Juste marrant, c'était un peu ma question. Oui. Si on prend du recul, on se demande où est-ce qu'on utilise Ising Où est-ce qu'on utilise I sur 2 donc... Et encore une question. Donc, il sur 2, c'était ici, évidemment. Voilà, exactement. C'est surtout là, en fait. Ouais. Mais par contre, le fait qu'on a pris X, c'est. Alors, en fait, ici, quand on va faire les réarrangements, il y a certains réarrangements où on ajoute des arêtes. Donc, du coup, euh, là, dans ce cas-là, ce que j'en ai, est-ce que j'en vois un là Oui, par exemple, celui-là. Donc, si on arrive. Euh, si on arrive comme ça, donc si on a une boucle qui passe là et qu'on arrive comme ça, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça, toc toc, et on va avoir la boucle qui reste là. Donc là, on a changé, on a rajouté un deux demi-arêtes, donc on a rajouté un xC dans le facteur. Et ça, l'égalité ici ne va fonctionner que pour ce xC là. C'est une très bonne question, du coup, parce que c'est vrai que ça met en valeur ça. Voilà. Donc c'est l'endroit, le, le, la, la map le, le, la bijection entre, entre cet ensemble et cet ensemble ne préserve pas le nombre, le nombre d'arêtes. Et donc, du coup, il y a un poids plus intégrable que les autres pour lesquels on a cette propriété. C'est une très très bonne question. Et le i sur 2, en fait, n'intervient pas. Ici, on n'aurait aurait pas i sur 2. Bah, ça changerait. On serait pas, ce ne serait pas le carré qui serait proportionnel au vecteur tangent. Ce serait une autre puissance. Imaginez qu'on aurait i sur 3, ce serait le cube. D'ailleurs, c'est ce qui permet de prédire pour les autres modèles le cube. En fait, ce qui va se passer, c'est que la, la propriété de I sur 2, elle nous a permis à cet endroit-là, euh, que j'ai effacé, mais quand j'ai dit E1 et E2, euh, E1 et E3, ils ont un argument de pi entre eux. Du coup, la racine, a un argument de pi sur 2, les deux, les deux gaz sont orthogonaux. Ça, c'était hyper important. Si on prend un autre angle, ce sera plus vrai, cette propriété. Une autre façon de... Euh, ouais dans ce cas-là, c'est peut-être la façon la plus simple de, de voir que i sur 2 joue vraiment, enfin, le un demi joue un rôle particulier. Voilà, donc, euh, easing nous permet de dire que c'est S holomorphe. La théorie des fonctions S qu'on peut développer par elle-même, permet de dire qu'on a le droit de définir H qui est la, primitive de la, euh, la partie imaginaire de la primitive du carré. Et après, juste en fait, on arrive à en déduire que cette, cette personne-là, c'est la partie imaginaire de phi, de psi, donc du coup, f converge vers racine de ψ'. À partir du moment où on a cette convergence, on a en fait beaucoup plus. On arrive Quand on arrive à décrire cette fonction f, on arrive aussi à décrire en fait les interfaces. Donc ces interfaces, on va pouvoir montrer qu'elles convergent vers ce qu'on appelle une, une euh, évolution de schramm lovener On arrive à identifier laquelle c'est. On arrive même à décrire l'ensemble des boucles, en fait. L'ensemble des boucles, ça va converger vers ce qu'on appelle un conformal loop and symbol, etc. Donc on a beaucoup plus d'informations que ça. Donc je finis là-dessus, c'était un peu rapide, hein, mais c'est un théorème qui n'est pas complètement euh, <laughs> évident à montrer de façon euh, claire. Donc j'espère au moins que je vous ai donné un petit peu l'idée comment c'était fait. Et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et bonne journée.